Nickel. Harpe. Seize cordes. 68 touches. Et un archet. Du suédois, nyckel, clé, et harpa, harpe, instrument, même petit ami. Un instrument traditionnel. C'est bien que tu l'adores, bambino, bambino. Bambino, bambino. Bambino, bambino. Me présenter. Ben, je m'appelle Laurent Vercambre. Je suis musicien. J'ai eu la chance de participer à deux expériences qui ont fonctionné, qui ont eu vraiment un bon retentissement public. Le premier, c'était Malicorne. Et la deuxième, ça a été le Quatuor. Le Quatuor me fait me définir comme un clown musicien. Ce goût de faire rire, comme une loutre peut jouer avec un caillou, bah t'as un morceau et puis tu t'amuses avec, quoi. On nous posait régulièrement la question. Qu'est-ce que vous êtes? Vous êtes des musiciens? Vous êtes plutôt des comédiens? Et pour moi, la meilleure définition, pour moi, c'était clown musicien, dans le sens où le clown, c'est tout ça. C'était un festival, je sais plus où, avec Malicorne, où on a vu débouler trois Suédois avec un nickel harpa. J'avais jamais vu ça de ma vie. J'ai dit, ça, je veux faire. Et donc, quand on a envisagé la fin du Quatuor, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je ferai après? Oh, j'aimerais bien essayer de faire connaître cet instrument. Et je suis Jean. Jean. Darbois. Darbois, c'est un... J'ai rencontré Laurent au début des années 70. C'était mon premier professeur de violon. C'est devenu un très bon violoniste country. J'ai jamais perdu contact avec Laurent. Et il y a 4-5 ans, il m'a prêté un nickel harpa. Et là, il s'est piqué au truc, quoi. L'instrument m'a vraiment plu. Et du coup. Et donc, on a décidé de vraiment monter ce duo de nickel harpa. Mais dans l'esprit qui est le mien, c'est-à-dire iconoclaste, pour faire ce que tout le monde fait, quoi.
Dans les années 70, il y a eu une énorme vague, une lame de fond, le retour de l'intérêt sur les musiques traditionnelles. À ce moment-là, il y a un certain nombre de gens qui sont mis à aller faire du collectage dans les provinces, aller voir des vieux, les faire chanter, les faire raconter, etc. Nous, dans la banlieue ouest, on organisait des trucs, on faisait des folk sessions sur le principe, une première partie, qui veut venir jouer, joue, et puis, en deuxième partie, un invité. C'est tout à coup, Bretagne is beautiful. Je dirais que les seules racines que j'avais, c'était pendant mon éducation, et entre autres, la musique. Et dans la musique, et bien effectivement, le fait d'aller dans les traditionnels, ouais. La musique traditionnelle te raconte. C'est la terre elle-même qui parle. C'était un manque pour moi, quoi. Un manque. Pas l'impression d'être de quelque part. Bon, d'être français, bon, d'accord, j'ai des racines dans le Poitou, des racines dans le Nord, mais j'ai jamais vécu. Et là où je vivais, le Vésinet, va te sentir Vésigondin. Ou d'Île-de-France, ou... Bon, je me suis jamais senti de là. Jusqu'à ce que j'arrive ici, à Basemont, j'avais pas de racines. Et je me suis dit, bah tiens, je veux bien être d'ici. Parce que c'est un petit village, parce que c'est magnifique, quoi. Difficile de décrire un état de calme ou de paix que te produit un paysage.